Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc non, vous n'avez pas dormi trop longtemps, on a effectivement de la neige et on est encore en automne. Cette semaine, on a eu de la chance, alors je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, parce qu'on peut toujours se dire que là, il y a quand même un problème avec le climat. Mais en tout cas, on a eu de la neige cette semaine et cette neige, elle a tenu au sol jusqu'au week-end. Donc du coup, je me suis dit que c'était la bonne occasion d'essayer de sortir pour faire un peu d'image entre la neige et ces feuilles qui sont toujours là, parce que c'est toujours l'automne. Donc c'est quand même assez rare par chez nous, donc j'avais vraiment envie de capturer ce moment. Et puis bah du coup, forcément sur ce genre de composition, sur ce genre d'image avec de la neige qui va vraiment surexposer votre image, et bah, on va beaucoup parler d'exposition dans cette vidéo. Donc juste ici, vous l'avez vu, j'ai un chêne derrière moi qui est en feuilles. Devant moi, j'ai un arbre qui est un peu isolé et qui est complètement mort, complètement sec. Donc j'avais hésité à faire les deux compositions. Et puis finalement je vais faire les deux compositions. Donc on va d'abord prendre cette première image proche du chêne, ensuite je vais faire le tour pour essayer de pas trop déplacer cette neige qui est poudreuse, qui est tombée sur les brouillards, et puis aussi parce que je sais pas trop ce qu'il y a sous les brouillards, j'ai pas envie de les écraser ni de mettre mon pied dans un trou. Donc on va reprendre le chemin pour se mettre en position après pour essayer d'intégrer cet arbre mort dans l'image avec ce champ de neige devant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc on va poser le sac à dos ici et on va se mettre en place pour cette première image en évitant quand même d'aller trop dans la neige. Et puis je vous explique ma composition. Allez, c'est parti. Donc vous l'avez probablement remarqué depuis quelques temps, donc sur mes images, hein, je suis toujours en mise en point ponctuelle. Ce qu'on va faire ici là pour cette première image, donc je vais passer en mise en point, en mesure matricielle, pardon, pas en mise en point, mais en mesure ponctuelle avant et matricielle maintenant. Donc en mesure. Donc vous voyez ce qui se passe. Donc là je suis donc clairement sous-exposé. Donc je vais déjà monter un peu ma sensibilité, on va se mettre à du 200 hasard, je pense que ça suffira. Je vais remonter tout de suite, je vais descendre ma vitesse pour que vous puissiez voir à peu près ce qui se passe la scène. Donc ce que je veux vraiment sur cette scène, d'abord on va parler de la mise au point. Donc la mise au point, je vais la faire sur le chêne. J'ai pas forcément besoin que ces brouillards au premier plan soient nets. Mon sujet c'est d'abord le chêne et puis c'est cette neige qui va nous emmener. Donc ma mise au point, ah oui, alors si je passe devant ça va pas marcher. Donc ma mise au point, je vais la mettre sur le chêne. Et donc si vous regardez là, pour l'instant il me dit que je suis surexposé. Donc avec le diaphragme que j'ai pris de F8, parce que je vais rester à F8. Il me dit voilà, la bonne vitesse c'est le 1/40. Et si on regarde, hop, on va essayer d'afficher, voilà, l'histogramme, vous voyez que quelque part j'ai commencé à avoir des lumières sur les hautes lumières, donc c'est-à-dire la neige, qui sont surexposées. Et c'est tout le problématique sur la neige, c'est de pouvoir la photographier, qu'elle reste blanche, mais qu'en plus vous ayez un peu de texture dans la neige. Donc du coup, ce que j'ai tendance à faire quand je suis sur la neige, et ben justement je vais commencer à sous-exposer. Alors vous voyez déjà, ça a changé un peu. Là, je suis déjà presque à un tiers de stop surexposé, mais vous voyez, on va continuer à descendre.
et je vais descendre vraiment jusqu'à temps que j'aie plus de haute lumière. Donc en fait, l'histogramme vous donne des informations. Vous pouvez aussi utiliser hein, les petits pixels qui vous donnent en surbrillance ce qui est surexposé. Alors moi, je peux pas le faire en fait sur le Nikon, ou je peux peut-être le faire, mais très honnêtement, j'utilise très peu. Donc je sais plus trop et je veux pas perdre mon temps à aller vous chercher le réglage. Mais en fait, vous voyez bien la chose, c'est que hop, pardon, j'ai bougé ma mise au point. Donc c'est qu'en fait, ce que j'essaye, c'est vraiment de supprimer les hautes lumières. Donc vous voyez, à un tiers de stop, je suis limite, à deux tiers de stop, je suis mieux. Donc je vais me mettre à deux tiers de stop. Alors du coup, mon chêne est sous-exposé. Mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir le rattraper les lumières après dans Lightroom. Alors que ma neige, si je la crame, c'est fini, je pourrais plus rattraper les lumières. Donc on va prendre une première image. Donc vous voyez, je suis au 1/80e f8 à ISO 200. Donc j'ai pris cette première image. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir donc sur, hop, avec l'autre main, toc, je vais revenir sur ma mesure ponctuelle comme je le fais habituellement. Tac, on va faire OK. Hop. Et donc, vous voyez, donc là, bah, je suis resté au 1/80e F8. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah, sur le chêne, je suis sous-exposé de... Alors, on va retirer maintenant l'histogramme qui va plutôt vous induire en erreur. Mais on est sous-exposé de presque un tiers. Et si je descends sur la neige, vous voyez, là, il me dit que je suis surexposé. Alors que vous voyez, je suis surexposé de... un stop de tir. Alors que tout à l'heure, un matriciel me disait bah, vous êtes, que j'étais quasiment sous-exposé à la même vitesse à 1/80e F8. Et en fait, c'est tout ça le challenge sur la neige. Ce qui fait que moi, personnellement, surtout sur la neige, j'utilise très peu le matriciel. J'évite aussi l'histogramme. Et ce que je veux ici, c'est que je regarde, donc je fais ma mise au point sur la... Enfin, j'amène ma mesure sur la neige et je regarde en fait de ne pas dépasser finalement les deux stops d'exposition, parce que je sais que si je suis au-delà des deux stops, j'ai forte chance de perdre toutes les informations qui sont dans la neige. Donc là, j'ai pas dépassé mes deux stops, donc je suis plutôt bien. Je suis en train de vous dire deux stops, alors en fait je crois que je suis en train de vous dire des bêtises. 1, 2, 3, non, c'est 3 stops. En fait, ce que vous comprenez, c'est que j'essaye de ne pas dépasser, vous voyez l'échelle, je vais essayer de vous le montrer, voilà, j'essaye de pas avoir ce petit triangle qui s'affiche. Parce que ça me dit que là, je suis vraiment surexposé, j'ai des lumières cramées. Et donc, je reviens. Donc là, j'étais au 1/100e, 1/80e, j'étais ici. Et donc là, il me dit, pour l'instant, je suis bien. Alors, vous voyez, le soleil est en train d'arriver. Il faut que je me méfie parce que là, je vais pas tarder à être surexposé pour la même image. Donc, en fait, je vais continuer à descendre. Et voilà, je vais me mettre ici. Ah, et comme vous l'aviez vu, j'avais pas mal de problèmes de batterie. Ma batterie commençait à être déchargée. Elle n'aura pas tenu jusqu'à la fin de l'image, mais vous avez compris. Donc, je vais être au 1/125e. Je vais refaire ma mise au point sur le chêne. Je vais déclencher l'image. Et puis maintenant, je vais vous la montrer ici à l'écran. Donc, vous allez voir, en fait, vous avez vu avant la première image. Et donc, maintenant, vous voyez la deuxième image avec la mise au point ponctuelle. Et vous pouvez voir la différence sur les fichiers RAW. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Pendant ce temps-là, je change la batterie, bien entendu, pour prendre la photo. et puis après, on se retrouve plus tard. On va monter là-bas pour aller changer d'endroit pour prendre la deuxième image. Allez, c'est parti, changement de batterie. Je me suis fait une frayeur en changeant mes batteries, parce que je mets la batterie dans l'appareil photo et là,
rien. Et en fait, j'avais mis la batterie du mauvais appareil dans, enfin de l'autre appareil dans celui-ci, et forcément ça rentrait dans le logement, mais ça ne pouvait pas fonctionner puisqu'elle ne s'emboîtait pas. Donc voici mon image. Donc comme vous le voyez, alors j'ai de la chance, j'ai déjà pris quelques images parce que j'ai le soleil qui arrive. Alors c'est pour ça que je dis c'est mon jour de chance par rapport à la semaine dernière, parce que là j'ai le soleil qui arrive, c'est super pour la neige, c'est super pour cet arbre au premier plan, c'est super pour le chêne dans le fond. Donc du coup j'ai pas voulu perdre de temps, j'ai déjà pris une image, mais voyez à peu près la composition. Alors je pense qu'elle pourrait être peaufinée. Il faut peut-être que je fasse basculer un petit peu mon pied vers l'arrière, il a tendance à partir un peu vers l'avant. Donc on va essayer de stabiliser tout ça. Ouais, c'est bon. Donc voyez la composition. Alors comme je le disais, j'aurais peut-être tendance à tourner un tout petit peu. Tac, ici. Ça c'est pour la composition. On va juste regarder. J'ai un petit doute là sur le sur les branches de cet arbre mort. Comment elles se positionnent par rapport aux chênes dans le fond? Elles sont. Ouais, elles sont, sont limite. Ah non. Ok, ça c'est celui qui est là-bas dans le fond. Donc là c'est bon. Et après j'ai une grande branche. Elle est où? Allez, ici, voilà, j'ai cette branche là qui va dessus et qui est l'enchaîne dans le fond, et le chêne en fait qui est marron, donc je touche pas, donc là nickel, tout est bon, tout est bon. Donc là je suis bien sur ma composition. Est-ce que je resserre un tout petit peu? Je suis presque 50 mm. Tac, j'ai juste affiché mon quadrillage pour me donner un peu une idée. Ouais, voilà, bah écoutez, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il faudrait qu'il soit sur le tiers, donc on est bien. On va juste tourner un tout petit peu. Hop, là je suis bien. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va hop juste s'élargir un tout petit peu, parce qu'après je pourrais toujours recadrer quand j'en suis dans Lightroom. Alors on va retirer maintenant le quadrillage qui me donne plus grand chose. Hop, allez, tac. Voilà, ça c'est bon. Donc la mise au point, il faut pas que je fasse n'importe quoi. C'est sur celui-ci qu'il faut que je fasse la mise au point. Donc la mise au point, je la fais sur le chêne qui est mort. Donc il est déjà, allez, entre 10 et 15 mètres par rapport à moi. L'autre dans le fond, bah il est à l'infini. Donc je sais que si je fais la mise au point sur celui-ci avec un diaphragme tel que j'ai choisi à f/10, mon chêne va être net et je vais avoir la bonne netteté dans le fond. Et ce que je veux surtout, c'est les lumières. Alors voyez comment les lumières viennent déjà de changer par rapport à tout à l'heure. Je suis content d'avoir pris les images parce qu'on voit plus trop dans le premier plan justement le reflet du soleil. Donc en tout cas pour la réglage c'est bon. Et donc ce que je voulais vous montrer, voilà, au niveau de l'exposition, donc voyez ici là par rapport au chêne, je suis sous-exposé. Alors je suis toujours en ponctuel, hein. Et voyez, si je descends sur la neige, si je descends carrément ici sur la neige, et ben là je suis surexposé de un stop et quelques. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas dépassé ma barre ici sur le haut, donc j'ai pas la petite flèche qui s'allume, donc voilà, légèrement sous-exposé. Ici, je suis, on continue à se déplacer sur la neige, donc vous voyez, surexposé, surexposé, mais il n'y a rien de catastrophique, et on est bien dans le chêne, donc on est plutôt bon. Donc, hop, on va se remettre où j'étais sur le chêne. Alors, je suis maintenant sous-exposé, hein. Sur le chêne, il faut savoir quand le soleil était là tout à l'heure, au 1 centième f/10, j'étais correctement surexposé, donc c'est vraiment, j'étais correctement, pardon, exposé. Donc c'est vraiment ce que je recherche. Donc si je voulais faire l'image là tout de suite maintenant, il faudrait que je me mette hop, non, dans l'autre sens, probablement au 1/60. Et donc si je suis en 1/60, si je me mets sur la neige, vous voyez, je suis pas surexposé, donc je vais garder les détails. Alors on peut quand même, en attendant que le soleil revienne, regarder ce que ça donne. Hop, qu'est-ce qu'il me dit si je suis en matriciel? Ah. Hop, tu vas y arriver. Tac. Ok. Ok. Et donc là, si je suis en matriciel, il me dit, bah voilà. Il me dit je suis bien exposé. Et si on regarde donc l'histo, vous voyez, il me dit que je suis correct. Donc en fait, c'est exactement ça qu'il faut chercher. C'est surtout que sur votre histogramme, vous n'ayez pas de surexposition. Donc en fait. Vous voyez, si je commence à descendre, donc là je suis très bien, et là au 1/60, et tac, dès que je vais monter au 1/50, vous voyez, pouf, j'ai ce petit pic qui arrive, et là il descend, donc là je suis plutôt bien sur mes lumières. Donc voilà, maintenant on va attendre que le soleil revienne, sinon j'utiliserai les images que j'ai fait avant. Je vais me replacer comme j'étais, donc en ponctuel, hop,
Hop. Ok. Tac. Et donc bah là je vais essayer de remonter. Donc comme j'étais tout à l'heure, en attendant que ça arrive, j'étais au 1/100 F10 à ISO 100. On attend la lumière, on prend l'image et je vous laisse regarder à l'écran. C'est parti. L'image que vous avez eue, bah, c'est les premières lumières que j'ai eues, donc tout de suite en arrivant, vous expliquer ma composition, puisque les lumières que j'ai eues après étaient beaucoup moins bonnes. Et en plus là il y a du vent qui se lève, alors en vitesse où j'étais c'était pas trop embêtant le vent, mais du coup c'est beaucoup moins agréable, parce que là je suis un peu dans une cuvette, dans une vallée, et j'ai le vent qui me souffle dans le dos. Je vais redescendre un peu plus loin, parce que quand je suis monté j'ai vu un petit arbuste tout seul, au milieu d'autres arbustes qui eux étaient un petit peu plus cramés avec la neige au sol. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire en jouant entre les couleurs qui sont encore jaunes dans les feuilles, la neige blanche et puis les arbres autour qui sont morts. Donc on va aller là-bas, ça va être un plan beaucoup plus serré, vous allez voir, mais je vais retourner là-bas pour faire ma troisième image. Allez hop, c'est parti, je remballe, je m'assure que le sac est bien fermé avant de le mettre dans le dos et de tout faire tomber, et on est parti. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous disais que l'automne ne dure pas très longtemps. Je pense que la preuve est là, puisque j'étais ici il y a quelques semaines, peut-être un mois, pour prendre une image. C'était tout jaune, je m'étais mis au ras du sol. Je crois que c'était il y a un mois à peu près. Je vous mettrai la date dans la vidéo et voyez comment ça a changé en un mois. Là, c'est fini. Les couleurs dans les arbres, on peut oublier. On est vraiment passé sur le phénomène de l'hiver avec ces arbres nus. Mais voilà, c'est un autre cachet, c'est autre chose, mais c'est toujours aussi joli. Allez, je continue à descendre pour ma prochaine image. Alors ça y est, j'ai retrouvé mon petit arbuste. Comme vous voyez, je suis un peu en hauteur par rapport à lui, parce que si vous regardez bien sur l'image, donc là que vous avez à l'écran, alors attendez, je vais vous retirer l'histogramme, hop, ça sera mieux. J'ai en fait un ancien tronc. Qui est cassé et qui me gêne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le caler par rapport aussi à l'arbre que je suis en train de photographier, pour que ça soit beaucoup plus équilibré, même si à la limite il est un peu gênant dans la photo, mais le fait de l'avoir mis en alignement avec le tronc qui est derrière, je trouve que du coup ça se combine un petit peu mieux. Et donc vous voyez sur le côté, donc il y a le chêne que vous voyez pas, alors je peux agrandir mon image, vous voyez ce chêne. Et donc en fait il a quelques feuilles qui arrivent, et donc j'ai longtemps hésité à comment cadrer, et j'ai finalement supprimé le tronc pour garder juste les feuilles sur le côté. Je pense qu'au final ça va se terminer par probablement quelque chose de carré au niveau du cadrage sur l'écran, mais bon je suis assez content de ce que j'ai. Alors là je vais faire la mise au point, donc tac, hop, sur mon arbre. Elle est ici, tac, ça c'est bon. Et donc là, il me dit que je suis monté au ISO 400, parce que comme je vous le disais, j'avais un peu de vent et je voulais vraiment m'assurer au niveau des vitesses. Il me dit que je suis bien exposé, au 1/80 F8. Si je descends sur la neige, vous voyez, je suis encore à peu près à deux stops entiers. Donc je suis encore correct sur ma neige. Ma neige va pas être cramée. Encore une fois, donc vous voyez sur l'histogramme, elle est quand même légèrement. Alors il y a une légère surexposition, mais je pense que c'est plus celle du ciel. Même si là le soleil est en train de se lever. D'ailleurs, on va en profiter probablement s'il pouvait éclairer la scène pour prendre en l'image. Mais voilà, je suis plutôt bien. Donc on va retirer de nouveau l'histogramme. Pour moi, je suis bien. Alors je vais peut-être en prendre une un petit peu plus sous-exposée, au 1/100 pour m'assurer, parce que là j'ai quand même un doute. Mais bon, il me dit que j'ai pas d'image cramée. Je ne comprends pas où ils sont les hautes lumières. Alors c'est là, vous voyez, où je devrais utiliser donc la mise en évidence des hautes lumières.
Ça m'évitera de chercher. Ah, je pense que c'est probablement là sur le côté où je dois. Ah oui, c'est sûrement là. Non, même pas. Non, même pas. Bon, écoutez, je sais pas. Je sais pas. Je vais revenir ici. Je vais faire ma mise au point. Et donc, on va faire une image au 1/80, une image au centième. Et puis, bah, vous verrez bien celle que j'ai retenue. Mais pour moi, le 1/80 doit passer. Mais voilà, c'est toute la difficulté sur la neige. C'est vraiment d'assurer son coup pour s'assurer que la neige, 1, va rester blanche. Et puis, 2, ne va pas être super surexposée. Donc, voilà. Vous savez tout sur cette image. Je reste à F8, hein, puisque ce que j'ai besoin, c'est vraiment la mise au point sur l'arbre dans le fond. Les feuilles de chêne, c'est juste une ambiance. Donc, on va rester comme ça. Je vais attendre, voir un petit peu si je peux avoir un petit peu plus de soleil sur l'arbre, et puis je vais déclencher pour l'image, et puis bah, je vous la laisse regarder à l'écran. J'ai descendu d'une trentaine de mètres à peu près par rapport où j'étais tout à l'heure. Ce chemin m'a souvent inspiré. Et là, encore une fois, aujourd'hui, il m'inspire parce que vous voyez, il y a beaucoup de contrastes dans ce chemin. Donc, j'ai le chemin justement sur le côté avec du vert, j'ai la neige, j'ai le chêne dans le fond qui est encore avec les feuilles. J'ai cet élément minéral avec cette borne en pierre sur le côté. Donc, il y a vraiment pas mal de choses sur l'image et je trouve que ça s'équilibre bien entre le chemin sur le côté, les arbres sur l'autre côté. Donc je trouve qu'il y a un bon équilibre dans l'image. Donc comme vous le voyez, j'ai essayé de mettre le tronc, c'est un pin qui est là-bas dans le fond, je vais essayer vraiment de le mettre dans l'axe médian. Je trouve qu'il y a un équilibre qui marche bien, j'ai pas coupé l'arbre sur le côté, la pierre est plutôt bien positionnée sur le chemin. De toute façon, on va finir avec un panneau, donc la partie vraiment éclairée dans le ciel me gêne qu'à moitié, je dirais. Donc en fait, ce que j'ai utilisé pour cette image, je me suis mis à peu près au niveau de la bande. J'ai choisi un diaphragme de F10, je suis au 24 mm. Donc du coup, c'est à peu près l'hyperfocale. Donc je sais que je vais être net de l'endroit de ma mise au point quasiment jusqu'à l'infini. Donc du moins avec une netteté acceptable. Donc du coup, c'est ce qui va m'intéresser sur cette image. Alors vous voyez, par rapport à tout à l'heure, je pense que je suis un peu sous-exposé parce qu'encore une fois, ça bouge beaucoup. Alors là, je suis surexposé. Pourquoi je suis surexposé? Parce que vous voyez, mon curseur est sur la neige. Mais si je vais sur la pierre, je suis allé à peu près bien exposé. Et puis dès que je vais dans le fond sur l'arbre, et ben là je suis carrément sous-exposé. Mais vous voyez, rien de préjudiciable. J'ai un stop, un tir ici. Donc la pierre, j'étais bien exposé, et puis j'ai pas tout à fait de stop, donc j'ai un stop de tiers de surexposition par rapport à la neige. Et franchement, si vous regardez la neige, elle est plutôt correcte. On voit du détail, vous voyez sur le côté débrouillé, on voit bien les détails de la neige. Donc on est bien pour l'image. Je vais la prendre telle qu'elle est. Je vais peut-être attendre un peu d'avoir un petit peu plus d'image. Je vais au moins déclencher une première fois pour prendre une première image. C'est sur cette image qu'on va se quitter sur la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez, plutôt intéressant ces photos sur la neige. Bien être vigilant, bien sûr, sur l'exposition. Et la tendance sur la neige, c'est d'être surexposé. Donc, n'hésitez pas toujours à sous-exposer un petit peu votre image. Avant vraiment qu'on se quitte, je voulais juste vous faire part de quelque chose. Donc, je vais cette semaine lancer finalement mon site internet. Il n'est pas encore complet, ou du moins, il n'est pas encore complet parce que je ne peux pas encore ouvrir la boutique, tout simplement pour des raisons purement administratives. Donc je vais le lancer, tous les onglets ne vont pas être encore ouverts, mais en tout cas vous allez pouvoir voir les photos. Vous allez voir, il y a un lien aussi pour vous inscrire à une newsletter. Je vais essayer de lancer donc de manière mensuelle une newsletter sur ce site internet. Donc inscrivez-vous pour pouvoir la recevoir donc tous les mois. Je ne sais pas encore ce que va être le contenu de cette newsletter. Ça va être à la fois un mélange de techniques photographiques et puis aussi de côté beaucoup plus conceptuel sur la photographie en général et puis ce qu'elle m'apporte et puis toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment à la fois des choses techniques et des choses personnelles que je vais partager avec vous. Quand je dis personnel, c'est vraiment personnel lié à la photo, comment je ressens la photo quand je suis sur le terrain, en espérant que tout ça va pouvoir vous intéresser.
Donc voilà, le mot est dit, lancement officiel du site internet cette semaine. Il ne me restait plus beaucoup de semaines pour le lancer avant la fin de l'année, comme je vous avais dit dans mes plans pour l'année 2024. Donc du coup, on va tenir le calendrier, le site va être lancé avant la fin de l'année. J'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à aller sur le site et puis à me faire des commentaires aussi et des retours sur le site. Voilà, j'espère que cette petite vidéo automnale, hivernale vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo, à la commenter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine, peut-être qu'on se retrouvera donc mercredi pour le tuto matériel, et puis sinon, bien sûr, comme d'habitude, dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.